J'ai encore un colis. Il est tout petit, je sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais commandé ça. Aujourd'hui de retour chez Wissou pour re-zéroter mon arme. On va bien prendre le temps de bien régler tout ce qui est organes de visée mécanique et points rouges. Bon, hop. Avant ça, petit placement de produit. Parce que oui, cette vidéo est en partenariat avec Natura Bike. Si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà qui c'est, puisque c'est eux qui ont organisé le dernier jeu concours que j'ai fait, dans lequel je faisais gagner 2 points rouges qui valaient à peu près 500 euros chacun. Ouais, ils rigolent pas. En gros, Natura Bike, c'est un site internet sur lequel tu vas retrouver une sélection d'articles hyper large dans le domaine de la chasse, du tir et de la collection. Il y a plus de 700 000 produits neufs ou d'occasion, comme des armes, des optiques, des munitions, des vêtements. Enfin, vraiment, tu as toutes les marques et à tous les prix. Le gros atout de Natura Bike, c'est qu'ils garantissent tous les produits, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Donc, si t'es pas satisfait de ta commande ou qu'il y a un problème après utilisation, et bien dans ce cas-là, c'est Natura Bike qui prendra le relais et tu seras remboursé dans l'intégralité. C'est clairement du jamais vu et en plus, le process, il est simple et rapide. Je vous mets bien évidemment le lien du site en description. Ça coûte rien d'aller faire un tour et puis vous pouvez me donner vos retours dans les commentaires. Sur ce, merci Natura Bike de sponsoriser ce vlog. Bonne vidéo. Ok, ben finalement c'était bien zéroté comme il faut, donc c'est nickel. Nickel, on est bon. Par contre, on a l'organe de visée méca, je pense que ça doit pas être bon parce que on a un léger décalage. Je vais essayer un organe de visée méca. Si, on est bon aussi en organe de visée méca. Tu veux aller à la cible un peu ou pas? Ouais, je finis juste ma boîte, j'en ai pour 15 secondes. Ça c'était la partie zérotage de tout à l'heure et ça c'est ce que je viens de faire une fois que le RMR est réglé. Donc ça va. Ça va ou quoi? Je vlog. On va faire en mode séance là. Bonjour. Waouh. On ouvre une boîte et on va essayer du coup sur 50 cartouches de tout mettre dans le noir. T'es le deuxième mec à tirer avec ce Glock, alors attention. Ouais. Le premier c'est moi. C'est sympa, c'est une Team Neck que t'as mis? J'ai mis Team Neck, là on est sur une mode light. Après là j'ai mis un truc de chez Chimera. Là je le changerai plus tard pour un truc un peu plus fin et plus sorti. RMR, platine de chez Ferro Concept et là Kagwerk. Qui est ce type de chez qui? J'ai tac. Tu veux venir en mode y'a de la place et tout. Mais y'a de la place, regarde. Regarde, j'ai fini mes 3 boîtes. C'est un petit kiffer, là. Bon alors? Bah c'est bon, c'est zéroté, regarde. C'est bien zéroté? Ça a l'air. En vrai, il est pas fort de ouf. Elle fait le mec, ouais, point rouge zéroté. C'est pas lui qui a tiré. Non, je parle pas dans ton dos, tranquille. Les organes de visée gratos, la platine gratos, la détente qui était bien moins chère, ouais. La lampe gratos, le magwell gratos, ouais. Et le stippling presque gratos. Presque gratos. Donc, en fait, j'ai payé le Glock. Toi, t'as payé le MOS filté, quoi. Ouais, j'ai payé le Glock et un peu la détente, mais vite fait, quoi. Ouais. Ok. Non, je m'en sors bien. Cargoax aussi gratos. Ouais, c'est ça d'être influenceur. Plus vous êtes connu, plus vous t'en donne. Moi, il y a une fois, on m'a donné une maison. Une maison? Ouais. Contre genre. Ah ouais, 10 secondes de Red Shadow, t'as une baraque? Ouais, une baraque. Parce que moi, il m'avait proposé 30 secondes de Red Shadow, je pouvais faire un voyage avec Thomas Pesquet. Thomas Pesquet? Ouais, okay. Dans l'espace. J'ai refusé. En vrai, Red Shadow. Espace, Red Shadow, tu vois, genre le. Non, pas de cheminement, ouais. Tu vois. Ouais, cool. Non, mais Red Shadow, ils sont pas mal. Hein. Mais vous me verrez jamais faire une sponsor Red Shadow. Même pour aller dans l'espace. En vrai, ils disent. Thomas Pesquet, station spatiale. Mais gros, je dis, mais me payez même. Je parle de vous pendant 8 ans si vous voulez. Je vous fais une OP tous les jours pendant un an. Ah ouais, j'en ai rien à. Mais gros, tu vas dans l'espace. Ah bah, je pense que rien que le prix de la fusée pour aller dans l'espace. Rien que le prix de la place. Ouais. Franchement, je sacrifie 5 minutes de mes journées chaque jour pour jouer à votre jeu. Tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Mais bien sûr. 5 minutes. 5 minutes où. Tu te réveilles, tu vas faire caca. Tu vas yesh. Voilà. Même truc. Bon, 2 trucs. La première, c'est que hier, j'étais à un gala pour la fac de droit de Clermont-Ferrand pour prendre des photos pour mon pote. Et il y a une personne qui m'a reconnu dans la soirée et qui est venue me voir en mode hey, tu fais pas des TikTok? Des TikTok? Des putains de TikTok? Je me bute comme un enculé à sortir une vidéo par semaine sur YouTube et on me parle de mes TikTok? Après, c'est cool parce que du coup, j'ai pu discuter un peu avec lui. Il m'a dit qu'il était allé voir ma chaîne YouTube, tout ça, donc. C'est franchement sympa. Et deuxième chose, là il est 9h du mat, j'ai rendez-vous à 9h30 au commissariat de Clermont-Ferrand. Hier quand je baladais mon chien, bah, j'ai vu une dame frapper le sien. Donc je suis intervenu une première fois,
Et étant donné qu'elle était un petit peu violente avec moi, je suis pas du genre à mettre des grands bourre-pifs à une meuf, donc j'ai appelé les flics quoi. Et je l'ai suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent et du coup qu'ils prennent en charge la dame qui était totalement alcoolisée. Enfin bref, du coup ils ont besoin de me prendre en audition pour ouvrir une enquête, pouvoir lui faire enlever le chien, tout ça quoi. Trouver une nouvelle famille à ce petit toutou qui mérite bien mieux qu'une dame qui le frappe. Et deux choses à faire aujourd'hui, puisqu'il faut que j'aille faire les plans pour mon Glock, que ce soit face caméra ou insert. Et ensuite ce soir je tourne tout ce qui est l'entraînement à sec avec une arme, donc s'entraîner sans munitions. C'est pas mal tes vlogs là. C'est bien hein. Ouais c'est bien, j'ai bien aimé le... C'est facile à faire de ouf en plus. Je sais pas si c'est un truc qui va bien prendre au début, mais après peut-être. Si je fais une série, tu vois. La pute, la dernière. Ah, j'ai fini, j'étais temps. Je regarde comment faire des vrais burpees. À demain. À demain, Antoine. À demain. Hier, je vais briller. J'ai reçu un colis ce matin de... Ouh, la coiffure, elle est propre. De Takmat, avec tous les accessoires de ma dot, pour pouvoir équiper un petit peu mon gilet. Le truc, c'est que j'ai aussi reçu tout ce qui est extension de mag pour mes chargeurs, en fait. Et ça a fait 40 minutes. J'essaie de l'installer. Il y a des mecs, en plus, j'ai regardé des vidéos, il y a des gars, ils pourraient être... 10 secondes à le mettre. Genre ils font, alors vous remplacez le ressort par le nouveau ressort, clic clic, voilà. Et ensuite vous pouvez continuer. Mais nique ta race, j'ai plus quitté toi là pour y arriver aussi vite. Mais quand il y en a un qui rentre, l'autre il rentre pas, le côté là, ça me saoule. Allez, là en plus j'ai chaud là. Pff, alors là, ça va plus rigoler. C'est vraiment nul quoi. On va devenir fou là. Qu'est-ce qui se passe quand on devient fou? Il se passe quoi après? Hein? Après ça se passe comment? C'est nul. C'est de la merde. Ah, il est même pas droit. Bon, j'ai réussi avec une petite astuce. Maintenant, faut vérifier si ça marche. Ok, bon déjà, ce petit bruit m'inquiète. Vas-y. Déjà, ça bloque ma culasse. C'est déjà pas mal. Y a pas de défaut. Ça commence à avoir un peu de gueule là, du coup. J'en ai marre. Là, nerveusement, je commence à craquer. Oui. Faut que je traîne ça un peu, mais je pense que des plus 2 seraient plus appropriés sur mes petites mimines. Oh, mimine, tu fais un bobo. Bref, 3 mags. Chaque fois que je me fais une vidéo où je m'équipe un peu, je galère ma race à mettre et à enlever. Mais j'ai pas de temps de galérer avec ça, en fait. Bon, vous verrez pas le résultat, j'ai plus qu'à 1% sur la batterie. En plus, j'étais en train de faire n'importe quoi, je montais tout à l'envers. Donc, merci Ferro Concept de faire des belles vidéos. Et il faut que j'aille à nouveau chez le coiffeur? Bah non, non, faut juste que je me coiffe et que je sois propre en fait. C'est un meilleur temps qu'hier du coup? Hier, on a vraiment trop parlé. Ah, c'est vrai, ouais. Fendi toi. Hein? Je vous emmène encore sur un petit tournage en studio. Il va falloir que j'aille tourner ma vidéo sur l'airsoft, qui normalement est largement sorti quand vous voyez ça. J'essaie d'être de plus en plus organisé parce que une vidéo par semaine, ça oblige à être vraiment vraiment organisé. Ah, j'ai reçu ça aussi. J'ai acheté ça parce que je vais refaire du tir longue distance dans pas longtemps. J'ai trouvé ça cool de pouvoir filmer. Regardez, tac, je fous ça sur mon téléphone. Ça fait x20, du coup, je pense qu'on verra les cibles, j'en sais rien. Mais vu que je refais une vidéo avec Sylvain Larmurier dans pas longtemps sur du TLD, il faut que je m'équipe petit à petit. Hop là, boum. Ah mais je suis con. Bah là on se voit déjà vachement mieux. Et que la lumière soit bam. Non. Pourquoi non? Que la lumière soit. Fin de tournage. C'est une... Non mais c'est une fin de tournage. Voilà, c'est une fin de tournage plutôt rapide, sauf que j'ai pas encore mangé. Là il faut que je désinstalle tout, mais je vais regarder mon agenda pour être sûr que j'ai besoin de ce matos là où je vais. Parce qu'en fait, ça commence à me casser les couilles de tout démonter, de tout remonter à chaque fois. Ok, et bah écoutez, je peux laisser ça et ça, ça me fait vraiment plaisir quoi. Je vais juste ranger le matos vidéo quand même. Je vais me buter un peu en pompe, je vais me faire un truc du style 200 pompes. Et après je vais attaquer avec l'élastique pour tout ce qui est biceps, triceps. Et après je vais aller me saigner à la barre de traction. J'ai tellement connu mieux dans ma vie pour me motiver un peu à faire des pompes que le débat présidentiel. Je vais en faire 6 comme ça et je vais mourir. Ah, c'était dans l'autre sens.
que vous voyez pas, c'est qu'il y a cette espèce de grosse bouffonne là qui me bouffe les pieds. Allez, tire-toi là, va sur le canapé. Quelle est chiante quand je fais du sport. Regardez-moi sa tête là-bas là. T'as le seum parce que moi je bois un shaker et pas toi. C'est une gourmande. Aujourd'hui c'est encore pas mal d'administratif, je passe ma vie devant un putain d'écran. J'ai écrit une vidéo que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. J'ai passé la soirée hier soir à faire ça et à la peaufiner un petit peu ce matin. Et maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est monter un ceinturon. Puisque j'ai répondu à un mail ce matin de la réserve gendarmerie. Puisque j'ai une séance de tir dans pas très longtemps. Un truc trop cool c'est que Burgundy Kidex m'a fourni tout ce qui est holster pour SIG Pro 2022 et Mas G1. Donc du coup j'ai pas besoin de démonter non plus 15 000 fois mes holsters. Je pense que je vais me faire un truc Frog Pro. Je pense que si j'arrive à en faire au concept à la réserve gendarmerie je vais peut-être me faire un peu allumer. Ça j'en ai besoin. Et ben c'est parti. En fait je fais ça pour éviter de devoir démonter mon ferro concept tout le temps. Même si j'ai des trucs qui sont plus cool sur mon ferro concept, déjà bah l'IFAC, l'IFAC est bien mieux. Mais même les porte-chargeurs ou des trucs comme ça, mais c'est du porte-chargeur ouvert. Et en vrai je sais déjà qu'à la réserve je vais me faire ouvrir. Je vais en mettre un de porte-chargeur ouvert, un classique que j'avais avant. Mais je vais garder du porte-chargeur fermé derrière. Ils disent de faire ça Frog Pro tu crois? Il me faut des vis. Je cherche mes vis de Safari Land. Là-dedans c'est quoi? Oui! C'est là que sont mes accessoires Safari Land. Pour tous ceux qui me demandent d'ailleurs comment je fixe ça, c'est simple, je prends ma sangle, je la fais passer sur mon déport de hanche, et après, je fous ma griffe, tac, ici, là, et je viens visser quoi. Et le fait que du coup, bah, y ait une pression entre les deux, ça vient bloquer la sangle et ça tient quoi. On a un ceinturon complet, porte-chargeur ouvert, porte-chargeur fermé, porte-chargeur d'air. Médic vide puisque j'y foutrais celle qui est actuellement dans ma chaos de Northman Resilience. Petit enrouleur automatique pardon, pour les clés de menottes, mes menottes et mon déport avec ma griffe QLS. Et j'y rajouterai du coup à l'avant mon petit porte-bâton parce que je ne sais même pas si en réserve j'ai le droit d'avoir mon bâton. Et voilà, porte-bâton et on a tout ce qu'il faut. Je sais pas si je vais chercher un mat. Je pense que tu arrives à un moment où... Excuse-moi, ouais. T'es Clem de, sur YouTube? Ouais, salut. C'est un vent direct. On va moucher. On passe aux abdos. Faut que j'ouvre les yeux un peu. Bon, du coup, j'ai pas filmé grand-chose ces 4 derniers jours, puisque j'étais sur le montage intensif de la vidéo sur le drill à sec, qui est juste ici. Et je trouvais pas ça très intéressant de filmer le fait que j'étais derrière un ordinateur. Mais aujourd'hui, on est dimanche, j'avais normalement 4 choses à écrire, dont des TikTok, des petites vidéos, et répondre à des mails. Mais en fait, vu que ma copine est dispo, bah, on va plutôt prendre du temps pour nous. On a baladé tout le tout, elle a fait sa séance de sport, et maintenant, on va au cinéma voir Batman. On va voir Batman. Sort tout juste de la piscine. Petit seum, mais ça va, puisque j'y étais pour tourner une vidéo YouTube. Donc j'ai fait ma petite séance de piscine, et après j'ai commencé à installer tout ce qui est ma caméra au bord de la piscine et tout, pour commencer à faire du blabla face caméra quoi. Et le maître nageur est venu pour me dire que j'avais absolument pas le droit. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité de voir la direction pour faire juste quelques images, et il m'a dit bah il faut faire une demande au mec qui gère à la région Auvergne. Et j'ai fait bon, ça va prendre trop de temps pour juste une vidéo YouTube que j'estimais pas top, et que je me suis dit que ça allait pas bien rendre. Donc c'est un mal pour un bien, ou un signe du destin pour me dire de ne pas tourner cette vidéo. Donc c'est pas très grave, parce que de base je devais la tourner aujourd'hui, demain à la piscine, et faire le montage ensuite dans la foulée pour la sortir mardi prochain. Et en fait, c'est pas grave. Je préfère ne pas sortir une vidéo que j'estime pas top. Bref, on se rentre à la maison, j'avais pas vlogué depuis quelques jours là. Ça fait du bien, j'aime bien finalement. Je viens juste de rentrer chez moi et je suis à la bourre pour la vidéo qui sort à 18h. C'est-à-dire que, enfin, à la bourre dans le sens où j'ai fait mon montage, j'ai tout fait, mais elle est en première. Et là du coup, dans 6 minutes, ça va, je suis pas tant à la bourre que ça, j'ai le temps même de faire mon post Insta. Mais dans 6 minutes, j'ai hâte à poil Clem, toujours présent Clem. Regardez, en gros, ça veut dire que là la vidéo, elle est en direct dans
Merde, le focus se fait absolument pas. Bon, en gros, la vidéo elle est dans 6 minutes et là à droite il y a le chat avec les personnes qui regarderont. Actuellement il y a 33 personnes qui attendent. L'objectif est pas d'être 1 million, l'objectif est juste d'être la petite communauté ensemble pour pouvoir chatter pendant la vidéo et se dire, enfin rebondir tous en même temps en direct. Et je trouve ça trop cool en fait. Comme ça tout le monde met son petit message et tout. Voilà. Tac. Comme ça on attend. C'est aussi sur ce genre de truc que les miniatures prennent de l'importance parce que là par exemple elle est en très grand sur ma télé et du coup si c'est de la mauvaise qualité comme la dernière vidéo que j'ai faite, la miniature était pas top. Et ben du coup quand elle était en très grande sur ma télé ça se voyait c'était hyper pixelisé et tout donc faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Après ça va j'aime bien faire des miniatures assez quali mais ouais c'est un petit détail qu'il faut que je prenne en compte. Bon bref je vous laisse, je vais me concentrer sur les différents messages que je vais leur écrire et voilà, regardez il y a le petit chat là. Oui j'aime bien. Allez ciao ciao. Putain j'agrafe aussi bien que je tire, c'est fou ça. Tu veux que ton visage soit remplacé par quel légume? Une pomme de terre. Une pomme de terre? Oui. D'accord. Tu veux une pomme de terre avec un visage ou juste une pomme de terre? Avec un visage. D'accord. Oui. C'est ça, la quest qui est en dessous là? C'est un talon, tu peux mettre 5 munitions de plus, ça l'alourdit et en plus de ça, la prise en main est meilleure pour un rapprochement. D'accord. Bon, je t'ai résumé ça de façon si propre. On retient, ça c'est ses impacts. On la voit. Bah allez, allez. On la voit. Elle est très belle. Elle a un coach perso. C'est pas faux. On va c'est dire vrai ça. Que c'est vrai que t'as un bon coach. Ouais, t'as un beau coach. J'ai mis un coup de doigt, mais j'ai fait une belle ligne ici. Ah, c'est bon, là il y en a une en haut, et puis après j'ai contre-visé un peu en bas, et du coup tu vois, ça arrive à peu près quoi. Voilà. Ce contre-visé très approximatif quand même. En attendant, elles sont plus en haut à droite. En bas à gauche. Ouais, mais tu vois, ouais, j'ai un peu plus recentré, tu vois quand même. Par contre, Claude, ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est toi qui lave mon arme ce soir. Ah. Bah ouais. Tu veux changer de légume? Je vais être une frite. Mais je mettrai le cornet de frites. Ouais. Ouais. Espèce de tisse là. Bah, je retire puisque c'est comme ça. Non. Si. Non. Si. D'accord. C'est pas lui. Quoi? Pas avec celui-là. Quoi? C'est parce que c'est le mien. Je viens de le graille donc tu tires avec le tien. C'est la même chose. Oui mais t'es moi qui ai mis de l'effort là-dedans. Je suis quoi? C'est bizarre. Pas la peine, tu vas changer de légumes. Ok, je suis une tomate là. Non, t'es un brocoli. C'est moi qui choisis. Ça doit faire mal ça quand même dans la gueule. Bah à cette allure ça va. Bah c'est juste l'argument que t'as. Ah ça filme encore. Sur ces quelques cartouches, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, attends 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss.